Bonjour à tous, nous voici pour un nouvel épisode de découverte de jeux vidéo en compagnie de ma plus grande testeuse, ma fille. Voilà, capable de reconnaître très vite un bon jeu d'un mauvais jeu. Et aujourd'hui, nous allons tester Laran. Alors Laran, vous ne connaissez sans doute pas, moi non plus. C'est un petit jeu indépendant que j'ai trouvé sur un site de jeu Indie Game. Donc si vous tapez Laran Indie Game, vous pourrez le trouver, téléchargement gratuit. Et donc, on va voir ce que ça vaut, ça a l'air sympa sur les images, mais comme toutes les séances découvertes, je n'ai jamais joué. Numéro et ma fille non plus. Donc, numéro 8. Ah, tu mets déjà la note ? On va peut-être attendre de voir le jeu avant de mettre la note. Alors, allons-y. C'est parti. Donc, nous avons les contrôles sont là. D'accord, moi je vais jouer au clavier. Et on va y voir un peu de quoi il retourne. Oula, attends. Donc, c'est histoire de géant. Message biblique, enfin nordique plutôt, je dirais. Donc c'est l'histoire de Dieu qui détruit le monde, qui détruit tout le monde, sauf une personne apparemment, et il lui demande d'aller chercher 8 pierres d'or, et s'il y arrive, alors le reste du monde sera sauvé. Donc on doit chercher 8 pièces d'or, moi je suis. Donc, ça, comment ça se passe? D'accord, je le souhaite comme ça, jusqu'ici. On est d'accord, c'est un peu lent à tourner. Est-ce qu'on peut... Ah non, pas comme ça! Bon, on recommence. Est-ce qu'on peut faire que la souris aille un peu plus vite? J'ai bien peur que non. Bon, on y retourne. Désolé, petite coupure. On y retourne. Donc, parce que la souris est un peu lente, je pensais... On va aller dans les options, mais quand on appuie sur le shop, ça coupe le jeu, c'est dommage. Bon, on va passer le... Hop, voilà. Donc, nous y revoilà. Alors, nous sommes donc ce petit monsieur qui s'appelle Zoa. On va par là, tu par là. Donc Zoa, oh, Zoa peut sauter. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gravité. On est un peu dans l'espace. On va marcher. Tu vois le grand diamant? On va y aller? Ça derrière là-bas? Ah oui. Attends, là il y a un truc jaune là-bas. On va voir? Ah oui, on est chercher des pierres en or. Pierres en or, c'est jaune. Donc ça me paraît pas mal déjà. C'est jaune? Super, c'est jaune. Et bon, effectivement, il y a un truc bleu là-bas. C'est une espèce de. Diamant? Ouais, de diamant ou de. Nuage? Ouais, de nuage, de planète, juste comme ça. On est arrivé au bout? La souris n'est pas du tout à la manœuvre. Hein. Alors. C'est quoi? Moi, je bouge un peu. Ah, ouais, c'est une casse-pied. Donc, je sais pas, qu'est-ce que c'est. Alors que c'est un faux qu'on se fasse battre, non? Ou pas, on tombe. C'est pas mal. Il y a quelque chose en dessous. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Si c'est ça.
Dieu où il est? Ah, très bonne question. Je laisse le chat répondre à cette question. Si quelqu'un sait où Dieu est, merci qu'il le dise dans le chat Twitch. Par avance, merci. Qu'est-ce qu'on a par là? Il y a un truc qui se tape là dans les rangs, non? Ouais, il y a un truc là, hein. Ou si je m'amuse. Ça c'est ça. Je sais pas. On va continuer notre chemin. Tu vois pas de petites pierres. Oh, hop, j'ai cliqué à côté. Tu vois pas de pierres jaunes? Attends, mais on va essayer de tout là-bas, on va pas essayer de tomber. C'est quoi ton... Ah oui, là. Alors, je saute. Hop là. Ok. C'est qu'on va plus vite en sautant en fait. On va marcher comme ça. Bon, c'est quoi ça? Bon, on va par où? C'est un carreau. C'est ça. On va voir? On va y voir? Oui. Alors, on va voir. Peut-être c'est notre vaisseau? Je crois qu'on a un vaisseau spatial. Hein. Je sais pas si c'est le jeu, si on est dans l'espace. Enfin, je sais pas si on est dans l'espace. Je pense qu'on est un petit peu dans un monde spécial. Ah, là-bas, tiens, on dirait qu'il y a une pierre jaune. Eh non, c'est une pièce. Une pièce, peut-être. C'est jaune. Et ça fait partie des objectifs. Alors, on va aller la chercher. Je n'ai pas bien sauté suffisamment. Je sais pas encore bien compte si ça me fait sauter plus haut ou quoi que ce soit, j'ai pas l'impression, non. Alors, voilà, il, ah oui, là. Allez, on y va. Caméra ne nous aide pas du tout, la souris non plus. C'est de la cata, c'est de la cata. Ouais. On sent le petit studio indépendant quand même, hein. Il y a des petites choses à finaliser saute, qui sont pas saute, terribles. Saute, 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 saute. Allez, on saute. Oh. Alors, où c'est qu'il est notre grosse boîte bizarre hein. Allez, là-bas. Sur une montagne. On va traverser la vallée. Je sais pas si vous entendez la musique, mais c'est une musique très douce, très planante. Mais c'est un peu là pour le besoin de la transmission. On sent que c'est un jeu très doux. Oui, très calme. Très calme, parfaitement adapté à notre caractère. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Je crois que j'ai trop tourné en fait, c'est par là. Attends, regarde, il trouve par là. Là, une espèce de chemin. On va essayer de s'approcher. Où c'est que ça commence ce chemin? On va voir.
C'est de pièces en fait. Alors du coup. C'est ça le dieu? Peut-être. Peut-être, peut-être. Mais du coup, il va falloir qu'on parte et ça m'aide pas beaucoup là. Attends! Il y a des pièces d'or là. Attends, oui, je vais aller chercher. Vas-y, si tu peux. Ça va. Est-ce que tu peux les attraper? Non, c'est celle que j'ai là. Allez, on va aller dans le truc, dans le triangle là. Je vais essayer de l'entrer. Hop là. Ah ben non, voilà là. Alors, donc on a dû rater sûrement, je pense, une pièce jaune. Pièce jaune. La boîte de pièce jaune. Est-ce que tu veux quelque part un petit truc jaune pour le rater? Ah, il y a une truc bleue. On va le voir. Ah bah bleu, on cherche une coupe jaune. Est-ce une seule visite? Oui, mais je pense qu'il est trop loin. On va essayer. Alors, on est où? Alors, on est retourné au tout début. Hein. Ouais, on est retourné au tout début. La première avant qu'on tombe. Ah, tu vois, le truc bleu, il n'y a pas de chemin pour y aller. Papa, on va sauter. Bon, est-ce que tu vois quelque part une maison? C'est une maison, ça, non? Il ressemble un peu. C'est un peu une église vue de loin. C'est une thématique. Et par là? Non, bah c'est un trou. Quoi? Alors, et bah écoute, on va descendre. Hein. Parce qu'on a vu quelque chose en bas. Alors, on regarde partout, à gauche et à droite, si on voit. Une boule jaune. Elle est là-bas. Là, elle est là-bas. Je pense que c'était tout au fond, parce qu'on n'a pas été sur la terre, mais il y a tout au fond de l'eau. Ah, par contre, le monsieur ne marche pas vite, hein. Je sais, c'est sûrement un jeu très contemplatif, et nous ne sommes pas très contemplateurs. Donc, il va falloir que ça avance quand même. Non. Ah, je vais chercher. Oui, pour ce temps-là, je cherche la boucle. Oh oui, bah je continue d'avancer vers lui, autant que tu t'installes. C'est quoi dans le fond là? Il y a quelque chose, non? Par là, il n'y a rien. Thank you.
maintenant. C'est reparti. Avec la boue, ça marche mieux. Alors, toi t'es où? C'est tellement contemplatif que ça t'endort. Donc, est-ce qu'on voit une boule jaune? Est-ce que tu vois une boule jaune? Est-ce qu'on n'a plus ce bonjour? J'en vois pas du tout. J'en vois pas du tout. Sur le vaisseau. Voyons voir. Est-ce que... On l'avait pas vu. Alors, on les mette. Comment on a réussi notre compte là? On a réussi à pas l'avoir alors qu'il est sur le chemin. Ah, il y en a un coup de bon, alors, d'accord.
logiquement maintenant. Espèce de truc noir, il va me laisser passer. On y va. Il va nous observer, il va dire oui. Il va dire oui. Oui, je crois. C'est quoi qu'il va dire oui? Si on va dire que non, on peut vraiment pas y aller. On va tenter. Allez. Sauver le monde quand même. Je m'en vais, c'est toujours le jeu qui compte. Donc on en est à 3. Je sais pas ce qui va se passer après. La justice est redescendue, c'est facile, mais c'est pas grand chose. Je sais pas la vie. Si c'est ça l'époque qui est venue pour voir, c'est pas grave. Ça fait une zone. Le bonhomme qui s'appelle Toa. Toa. Pourtant, sur le dernier jour, on a été un peu violent, parce que c'est un peu trop calme. T'adores celui-là? Ah bah, si tu l'adores, on continue. Hop là, j'ai fait. On va se représenter devant le gros machin. Le gros caribou. Le gros caribou? Non. Le gros caribou. C'est le maître. Le maître? Alors, regarde. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le maître? Il est trop tendre. Peut-être que maintenant qu'on a les trois, il va bien vouloir nous emmener ailleurs. Oui. On essaye, hein. On y va. Hop.